Bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour un épisode un petit peu journal créatif, plutôt assez classique. Alors, le soleil revient un petit peu et du coup, je crois que ça fait un truc bizarre au niveau de. J'espère que je serai pas trop sous-exposée vu que je pense qu'il essaye de faire ce qu'il peut avec les gros rayons de lumière derrière. Bref. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline. Je tiens cette chaîne YouTube qui est une chaîne de loisirs créatifs, plus particulièrement art du fil et qui s'articule surtout autour du tricot. Je pense que c'est l'activité que je. Enfin, je suis sûre que c'est l'activité que je pratique le plus. Je fais un petit peu de crochet, un petit peu de broderie, un petit peu de filage. Je commence un petit peu la teinture aussi. Mais ça reste vraiment minoritaire. Je vous en parlerai également, mais plutôt en fin d'épisode. On va surtout se concentrer sur le tricot. Nous sommes mardi 31 janvier. Donc ça y est, c'est la fin de ce premier mois de l'année. Et voilà. Je ne sais pas où je voulais aller avec cette phrase, mais voilà. Je vais commencer avec les objets terminés sans plus tarder. On va essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. Je sais que vous adorez ça quand c'est long, mais je vais essayer quand même que ça ne traîne pas trop en longueur. D'ailleurs, merci pour tous vos messages sous les vidéos bilan ultime chaussettes et bilan ultime vêtements tricotés. Le bilan ultime châle arrivera, je pense, la semaine prochaine. Et voilà, mais merci pour l'accueil et tous vos petits mots que vous m'avez laissés en dessous. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais je pense le faire bientôt. Voilà. C'est parti. Alors, j'ai trois objets terminés à vous montrer, dont deux que vous connaissez. Il y a déjà ce pull, c'est le Moby Sweater Mini de petite knit que vous m'avez vu tricoter pour Lou ces 2 derniers mois, je crois. Je fais pas mal de tricot en même temps, du coup, ça prend du temps de faire un pull comme ça, plein de textures. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai adoré tricoter ce pull. Il est vraiment très agréable à faire. Et malgré le fait qu'il y ait extrêmement de texture dessus, il y a du point de blé, je crois, que ça s'appelle, des torsades, des mailles torses, ces petites mailles croisées là qui donnent ce motif de losange. Et dans le dos, c'est reparti de la même façon. Malgré toutes ces textures, c'est un pull qui est assez facile à réaliser. Parce qu'en fait, la grille se retient super bien. On n'a pas besoin du tout d'avoir le nez collé sur la grille si on sait à peu près lire son tricot. Et si vous ne savez pas encore lire votre tricot, je vous recommande vraiment de vous exercer à ça si vous voulez progresser et tricoter plus vite. Et faire moins d'erreurs. Et il y a une super vidéo de Clos Tricot là-dessus et je vous la mettrai en description. Mais voilà, une fois qu'on sait lire son tricot, on sait exactement quand est-ce qu'il faut croiser, quand est-ce qu'il faut faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, quand on fait sa torsade, etc. Donc ça reste des textures très faciles à faire, mais enfin, qui font un rendu vraiment bluffant. J'ai eu un petit peu de mal au tout début du tricot pour le mettre en route, mais je pense que si j'avais pas très bien choisi mon moment, j'avais les trois. On avait essayé de faire un petit tricoté avec ma belle-sœur, il y avait quand même les enfants autour de nous, et juste le temps de comprendre la mise en place du bidule, faut quand même, je pense, avoir une heure et demie tranquille, histoire de mettre le tricot en route, mais après ça va tout seul. Donc voilà pour celui-ci. Pour rappel, il était tricoté avec les laines Peer Gynt de Sandnes Garn que j'avais acheté à la mercerie sur un fil à Orsay. Le coloris, il doit y avoir un numéro de coloris, je crois qu'il s'appelle Ocre. C'est un espèce de jaune
qui tire pas mal sur le vert. Donc voilà. Et ouais, et c'est une laine norvégienne, donc elle est un petit peu rustique. Elle pique pas, enfin, à moins que vous soyez vraiment sensible, moi je trouve qu'elle pique pas tellement. Et par contre, vu que c'est une laine un peu plus rustique que la, par exemple, la double Sunday de Sandnesgarn, qui est à peu près l'équivalent en DK, elle met vraiment super bien les textures en valeur. Et j'ai trouvé que c'était une laine parfaite pour ce projet. En plus, c'est vraiment une laine petit budget. Enfin, petit budget, tout est relatif. Mais le pull, là, je pense qu'il m'a coûté je crois que j'ai utilisé 9 pelotes. Et c'est. Je crois que la pelote, c'est moins de 4 euros. On est autour de 4 euros la pelote. Donc voilà, ça fait un pull à 35 euros à peu près. C'est quand même un pull de très très bonne qualité, quoi. Donc. Voilà pour ce petit projet. Et c'est une laine, je vous avais dit que j'avais très envie de tester sur d'autres projets. Et notamment, pourquoi pas, dans du jacquard, parce que je pense que c'est vraiment une laine qui accroche un petit peu et du coup qui peut vraiment sublimer un jacquard. Et je vous le montrerai un peu plus tard. J'en ai racheté dans une... Ouais, je vérifiais. Je savais plus si c'était de la double Sunday ou de la Pirguine. Non, c'est bien de la Pirguine que j'ai acheté pour un... futur modèle de jacquard dont je vous parlerai dans la section de ce que je vais faire après. Ensuite, le projet qui vient, c'est une paire de chaussettes. Bon, elle est censée être finie, mais en vrai, elle n'est pas tout à fait finie parce qu'il me manque les petites croix blanches là à faire sur chaque petite télécabine. Mais j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de... Ça rajoute énormément de fils à rentrer, donc j'ai un petit peu la flemme de le faire. Mais, oups. Mais je pense que je finirai par le faire. Toujours est-il que j'ai fini de tricoter ces petites chaussettes. C'est un modèle de Stonyx. Une designer qui fait principalement des modèles de chaussettes en jacquard qui sont vraiment canons. Je prévois de tricoter une autre paire de cette designeuse incessamment sous peu. Je vous en parle plus tard. Voilà, j'avais utilisé de la laine, une Crazy Ball, toujours chez Sur un Fil. Et en blanc, le contrastant, c'était une petite balle d'Edelweiss. Et. Je crois que 50 grammes, ça m'avait pas suffi. Non, pas 50 grammes, c'est des petites balles de 25 grammes. Et il me semble qu'il m'avait manqué un tout petit chouïa pour faire les deux paires. Pour faire les deux chaussettes, pardon. Donc un petit peu plus que 25 grammes. Et en fait, ce qui est trop canon avec, avec cette laine-là, la Crazy Ball, c'est qu'elle fait un dégradé. Exactement comme la. La laine américaine super chère, j'oublie tout le temps le nom. La Spin Cycle. Et ça rend trop bien, surtout sur des rayures. Je trouve que ça rend. Ça met encore plus en valeur le côté dégradé. Et j'adore vraiment le résultat. Et Céline les a rentrées. Alors là, c'est de la fingering, mais elle les a rentrées aussi en sport. Et la sport, c'est vraiment le calibre de la Spin Cycle. Donc en fait, tous les modèles d'André Amaury qui utilisent de la Spin Cycle, qui est une laine extrêmement chère, vous pouvez vous les faire pour un prix vraiment abordable avec cette laine. Et vous aurez, je pense, à peu près le même résultat, si ce n'est exactement le même résultat. Voilà. Pour ces petites chaussettes, je pense que j'aurais pu... En fait, elles sont un poil serrées ici, au niveau du passage du coup de pied, là, juste après le talon. Donc, je ne sais pas si c'est mon jacquard qui est peut-être un petit pas assez élastique. Je ne suis pas encore une experte du jacquard. J'espère bien le devenir un jour, mais je ne suis pas encore. Donc, ouais, au niveau des petits sapins, là, je ne sais pas si vous allez bien les voir. C'est dommage, c'est tombé pile à l'endroit où c'était le plus foncé. C'est pas ultra ultra élastique, donc ça passe dans mon pied, mais c'est pas aussi aisé qu'une chaussette en jersey classique.
Est-ce que j'aurais dû faire une taille au-dessus? Je sais pas, parce que le reste du pied, c'est vraiment ma taille et j'aurais eu peur que ce soit trop grand après le reste du pied. Donc je pense pour le jacquard ici, une taille au-dessus, ça aurait été pas mal, mais là, on est sur le bon nombre de mailles pour ma circonférence de pied. Donc voilà. Mais j'adore ces chaussettes et j'ai trop hâte de les porter en situation au ski. Ça va être trop bien. Et le troisième objet terminé, c'est une deuxième paire de chaussettes. C'est ma deuxième paire de l'année, du coup. Et c'est une paire pour Laurent. Le modèle, c'est les Weekend Shorty Socks de Summerly Design. C'est un modèle qui est gratuit. C'est un modèle ultra basique de chaussettes avec une construction des côtes vers la pointe avec un talon renforcé à gousset. Donc en fait, si vous cherchez une première paire de chaussettes à faire, c'est vraiment le modèle idéal. Par contre, je crois qu'il n'existe pas en français. Je vous remettrai. Mais je pense qu'il n'existe qu'en anglais. Et normalement, c'est des sockets comme ça. Mais bon, après la tige, on fait autant de rangs que l'on veut. Et bah, Laurent, comme d'habitude, il voulait quelque chose de coloré. Mais j'avais, si vous avez vu ma vidéo sur les chaussettes, vous êtes un petit peu au courant. Si vous ne l'avez pas vu, en fait j'avais acheté ça il y a quand même assez longtemps. Je pense que ça doit faire un an que ça traîne dans mon stock de laine. C'est une petite balle de la laine avec la marque dont je ne sais pas prononcer le nom. C'est une laine auto-rayante dans les tons gris et c'est ultra ultra doux et avec ça vous faites vraiment des chaussettes à un prix très très doux également. C'est vraiment pas très cher ces petites balles de laine et vous voyez là j'ai fait alors c'est des chaussettes, c'est 64 mailles. Laurent il a un pied super fin, par contre il chausse du 43, donc vous voyez il me reste encore ça des 50 grammes. Donc le seul truc dommage avec cette paire c'est que vu que ça commence par les côtes. C'est difficile de viser pour utiliser toute sa laine. Quand ça commence par les pointes, ce qui est pratique, c'est que on fait son pied. Son pied, il faut faire un 43, ben on fait une taille 43. Et après, une fois qu'on commence la tige, on tricote jusqu'à la moitié du poids de la pelote et on sait qu'on doit s'arrêter. La tige, qu'elle soit plus ou moins longue, ça n'a pas d'importance. Alors que quand on fait dans l'autre sens, ben, il faut à peu près estimer pour la tige parce qu'après on fait la pointe et la pointe par contre on ne peut pas la faire plus courte, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je me suis dit allez, je fais à peu près ça et je passe à mon pied et on verra. Mais vous voyez, j'aurais pu faire quelques rayures supplémentaires ici, au moins deux, je pense, rayures supplémentaires sur chaque chaussette. Mais voilà, c'est un petit peu difficile de savoir. J'ai pas trop l'habitude de faire les chaussettes dans ce sens-là. Je pense qu'à force de les faire, on doit savoir exactement quel poids il nous faut pour faire le pied. Mais je trouve que c'est plus simple dans l'autre sens d'estimer. J'avais quand même fait les côtes ici. C'est des côtes 2-1. Du coup, ça les rend super élastiques. C'est vraiment, vraiment bien pour quelqu'un qui a la cheville très fine. C'est parfait. Et normalement, on fait un petit peu moins de rangs là. Moi, je les avais fait plus longs parce que justement, vu que je n'avais pas la taille de tige que je pourrais faire avec juste 50 grammes pour un 43, j'avais fait un peu plus grand là pour gagner un petit peu de taille sur la tige. Voilà. C'est des chaussettes toutes basiques, donc il n'y a pas de difficulté particulière. L'originalité, c'est juste voilà, d'avoir mis un petit peu ses restes ici, ici, ici. Sous le pied, etc. Mais du coup aussi ce qui est bien c'est que pour quelqu'un qui a jamais tricoté de chaussettes ou fait de talons comme ça décortique bien l'anatomie de la chaussette. On sait que les côtes c'est ce qui est là, la partie du le talon c'est ça, le je sais jamais comment ça s'appelle en français là, le heel turn, le heel flip, etc. On a bien cette petite partie qui est rose et après la pointe, elle est bien différenciée aussi. Donc pour décortiquer l'anatomie de la chaussette, c'est pas mal. Mais voilà, je les trouve vraiment trop mignonnes, j'ai ultra envie de lui piquer.
Et je suis bien contente de cette chaussette, du coup, qui a quasi rien coûté parce que c'est cette balle de Chouabji, ou je sais plus comment, je sais jamais la prononcer. Et après, c'est des restes qui traînent dans mes laines à chaussettes. Voilà. Du coup, on a fait le tour des objets terminés. Je vais vous parler de mes encours. Alors, mon encours principal, c'est un gilet de Marie-Christine Lévesque. Et c'est le Perline Cardigan. C'est un super chouette gilet. Regardez cette dentelle. C'est vraiment trop trop beau. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Je suis désolée, cette zone-là, c'est pas très agréable. Va falloir que je réfléchisse mieux à ça pour les prochaines vidéos. Si je me mets comme ça va peut-être un peu cacher ce truc. Alors, ça se tricote du haut vers le bas. C'est des augmentations raglan. Il y a des bobbles sur toute la manche. Et par contre, c'est des bobbles assez faciles à faire où il n'y a pas besoin de tourner l'ouvrage. En fait, souvent les bobbles, on fait à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, histoire de faire une masse de tissu suffisante pour créer ce petit volume. Là, c'est une technique plus simple. J'ai quand même pas fait exactement la technique du patron parce que je trouvais que les bobbles étaient trop petites. J'ai fait une technique d'une autre designer, mais il n'y a presque pas de différence, hein, mais juste elles ont un tout petit peu plus de volume. Mais c'est pas des bobbles énormes. Donc voilà, faut pas avoir peur de. Alors déjà, si on veut, on ne les fait pas, hein, on peut faire des manches tout simples. Mais si vous trouvez que c'est joli, il faut pas avoir peur parce que c'est pas des bobbles si longues que ça à faire. Et c'est tous les 6 rangs. Ouais, c'est tous les 6 rangs. Cette dentelle magnifique, elle se fait vraiment bien. Elle est pas compliquée, mais franchement, elle a. C'est vraiment un petit bijou, hein, ce gilet. Donc voilà, le corps, franchement, vu qu'on est ultra motivé pour avancer la dentelle, il se fait super bien. En fait, jusqu'à la séparation, c'est du jersey classique. Et ensuite, on fait deux ou trois rangs et on commence la dentelle. Donc après, là, j'ai fait un petit peu plus de deux répétitions de la grille avant d'arriver à la longueur désirée. Cette fois-ci, j'ai fait une longueur, j'ai pas fait un truc cropped, j'ai fait une longueur vraiment histoire d'avoir le bas du dos bien couvert en hiver. Et je pense faire des manches. Longue aussi. Parce que j'aime bien faire des manches trois quarts, mais là, je vais faire des manches longues et à la fin, c'est des manches ballon. Donc, j'ai commencé la première manche. Et mon objectif, ce serait de finir cette première manche cette semaine, histoire de peut-être finir la semaine prochaine ce gilet. J'ai déjà fait la bande de boutonnage et l'encolure. L'encolure, c'est une manque. C'est une encolure qu'on replie sur elle-même, donc elle est un petit peu plus épaisse. Et c'est un fini un peu plus joli qu'une encolure où on fait un rabat visible. Donc voilà. J'aime bien les projets de MCL. Des fois, c'est un peu trop fifi pour moi. Mais voilà, c'est toujours des modèles très. Féminin, c'est pas tellement le terme parce que chacun est féminin comme il veut, mais assez travaillé et assez chic, romantique. Donc il y en a qui me parlent moins que d'autres, mais celui-ci, vraiment, je le trouve très très beau. Pour l'épaisseur de laine, c'est soit de la déca, soit un fil de fingering associé à un fil de mohair tricoté ensemble. C'est ce que j'ai choisi de faire. Et la laine, c'est un combo de chez Laine Amourée que j'avais acheté. Ça n'a pas d'importance pour vous, mais j'ai envie de vous le dire quand même. Que j'ai acheté à Aiguille en fait l'année dernière. Et c'est le coloris Girl Power. C'est un très très beau rose fuchsia. Vous savez que c'est exactement mes couleurs. Donc voilà
Pour ça, il y a quelqu'un qui m'appelle. Du coup, je ne sais pas si ça coupe la vidéo ou pas. On se retrouve le lendemain. Je n'ai pas eu le temps de tout filmer d'un coup. J'étais en train de vous parler de mon gilet perline et je crois que je vous parlais des laines qui sont du coup des laines de chez Laine Amourée, de la fingering plus un fil de mohair dans le coloris Girl Power. Et j'avais pas fini la manche hier, mais depuis j'ai terminé la première manche et je vais peut-être pouvoir vous le passer pour vous montrer ce que ça donne si je rentre à peu près dans le cadre. Donc voilà avec la manche. Vous avez un petit aperçu de ce que donnera ce gilet. Bon, après, évidemment, il faudra bien bloquer pour bien mettre en valeur la dentelle. Et bah, ça va être canon. Et vous voyez, il est vraiment plus. Bon, là, on est clairement au-dessus de ma taille naturelle qui est là, hein. Mais voilà, vous voyez que je l'ai fait quand même plus long. Ça arrive à peu près au milieu de mes fesses, mais. Ça arrive, ça me couvre quand même une bonne partie des fesses, quoi. Donc voilà pour ce petit modèle. Bah, du coup, je pense pas finir cette semaine la deuxième manche. Qu'est-ce qu'il y a, mon Didier? Comment ça s'écrit, Lou? Lou? Viens, je vais te l'écrire sur le fait. Voilà. Voilà pour ce petit gilet. Oui, et je disais, je sais pas si j'aurai le temps de le finir cette semaine, puisque nous sommes mercredi et vendredi, je rejoins Christelle pour aller à Exceptionnel. On part vendredi et on revient lundi. Voilà, je l'accompagne au salon Exceptionnel. Je suis fort contente d'y aller. Ça va être trop cool. Mais voilà, du coup, je ne pense pas pouvoir finir ça d'ici demain. Je pourrais si je me mettais full manche, mais j'aime pas faire bah, surtout une manche, quoi. Voilà, ça me. J'ai un peu envie de faire autre chose. Mais dans le courant de la semaine prochaine, il sera terminé. Et comme ça, je pourrais monter le pull que j'ai envie de faire ensuite, qui est. Bon, allez, je mélange tout, hein, je vous montre. Ce que je vais monter après le perline, c'est du coup le Antique Flora. Ce très très beau modèle de Wool and Pine Design. Et je vous avais montré les petits écheveaux du calendrier de l'Avent de Vera Yarn qui faisait un fade qui allait du bleu au jaune en passant par le rose. Du coup là ce sera pas très voilà il y a du vieux, il y a du violet, il y a un peu du corail etc. pour aller jusqu'au jaune comme ça et ensuite du jaune au marron. Bon, ça ne ressemble à rien et du coup fallait que je trouve. Donc ça c'est pour faire le fade qu'il y a dans le yoke en jacquard. Et du coup, il me fallait la couleur de fond et j'étais partie sur un vert. Et effectivement, j'ai trouvé un vert chez Céline en pierguinte. Voilà, ce que voilà, je voulais tester la pierguinte en jacquard. Et bien, ce sera fait. Même si ce ne sera pas full pierguinte, vu qu'il y aura quand même ça qui est de la laine à chaussettes. Mais bon, ça me donnera un petit aperçu. Et du coup, c'est la couleur 80-82, je crois. Bon, j'essaierai de voir si je trouve vraiment la référence. C'est un genre de vert bouteille. Ça ressemble un petit peu au vert qui est derrière moi. Ouais, c'est vraiment un vert sapin, quoi. Et du coup, je pense que c'était la couleur la plus appropriée pour mettre à peu près toutes les autres couleurs en valeur. Ça va quand même bien trancher. Il y a juste le marron qui va moins bien tranché sur la fin du yoke là, mais je suis pas sûre d'aller jusqu'au marron. J'hésite encore à m'arrêter au jaune ou au corail
pour le yoke. Parce que, alors, eux, ils utilisent 5 couleurs, il me semble, pour faire le dégradé. Et moi, j'ai 12 couleurs. Donc, j'ai largement de quoi faire. Donc, voilà pour ce que je vais, ce qui va sauter sur mes aiguilles une fois le permis terminé. Donc, ce sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, en fonction de comment j'avance. Ensuite, de quoi je vous parle? Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, je vais vous parler de ma Jigsaw Puzzle Blanket. Du coup, pour rappel, je voulais faire durant l'année une section. Enfin, je l'ai montée à Noël, c'était mon projet, mon custom de Noël. Donc, et je me suis dit que j'allais faire une section par semaine et que ça allait être un petit peu mon fil rouge de l'année. Et du coup, je m'y tiens pour l'instant. J'ai même envie de tricoter plus d'une section par semaine parfois parce qu'il y a des sections qui sont beaucoup plus petites que les autres. Mais j'essaye de pas trop m'enflammer et de faire vraiment qu'une section par semaine parce que ça maintient vraiment mon intérêt pour ce projet. J'ai envie de la voir avancer et du coup le lundi matin je suis toujours ultra contente de monter la section de la semaine et soit je le fais d'un coup, bah, par exemple ça c'était celui pas de cette semaine mais de la semaine d'avant, ça en 1 heure c'était fait et ça c'était celui de cette semaine et je l'ai fait ouais, en 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie c'était fait aussi, je l'ai fait d'une traite. Et voilà, je suis très contente de l'harmonie de couleurs. Je suis très contente tous les lundis de la retrouver et d'avancer d'une section et de voir comment les couleurs s'agencent entre elles. J'ai voulu mettre pas mal de beige là. J'ai fait 3 sections de beige parce que je pense que c'est ce qui va permettre de créer un peu un équilibre entre toutes les couleurs qui sont plutôt assez fortes autour. Voilà, et pour vous parler un petit peu des laines, ça je pense que c'est un reste de Sandnes Garn. Je sais même plus ce que c'est ce reste-là. Bref, ça, je vous parle des trucs un peu plus intéressants. Ça, c'était un reste d'un de mes châles. Il y a une petite démarcation parce que j'ai pas eu assez, mais c'est un reste de ce qui est dans mon châle de Steven West de cette année là, le Mystérical. Ça c'est du Mabon avec une autre couleur, avec un autre châle de Steven West. Et ça c'est le club Ghibli Arrietty de Arco Iresiarn que j'ai tricoté en double. Et franchement, ça rend trop bien au point mousse, tous les petits speckles. Ça fait très très printanier ce coloris, j'adore. Et franchement, c'est trop cool d'avoir mes. Ça, c'est vraiment des restes que je peux identifier plus facilement que ben, que d'autres, quoi. Je sais pas trop comment dire. Mais ça me fait trop plaisir de me dire, bah, cet écheveau. Enfin voilà, les écheveaux de teinturière, ça a quand même un coût. Et des fois, on se dit, bah, juste pour tricoter une paire de chaussettes, c'est vrai que mettre 25 euros juste pour tricoter une paire de chaussettes, ça peut être beaucoup. Bon, après, il y a tout le plaisir autour d'avoir les chevaux. Il fait partie d'une collection. On soutient une teinturière qu'on aime. Les couleurs sont quand même assez incroyables. On a plaisir à tricoter le projet au moment où on tricote, etc. Mais c'est vrai que pouvoir mettre les restes dans d'autres projets comme ça, déjà on a l'impression de plus amortir son coût de la laine. Et en plus, ben voilà, on revoit la couleur dans autre chose. Et je trouve ça trop sympa. Donc vraiment, j'adore, j'adore, j'adore ce projet. C'est très très géométrique et bon, moi j'adore tous ces trucs très géométriques. Ça me donne vraiment envie d'essayer de faire un châle un peu comme ça avec des formes. Un peu en color block comme ça, avec des formes un peu patchwork comme ça. J'ai vraiment envie de tester. J'aime beaucoup le modèle qu'a sorti Marie-Christine Lévesque et qui a tricoté le demoiselle. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, peut-être un poil petit. J'aimerais bien vraiment en avoir un ultra, ultra enveloppant, quoi. Qu'on soit limite entre le châle et le petit plaid, quoi. Un truc ultra, ultra cosy.
qu'on puisse sortir avec, qui nous couvre bien, mais qu'on puisse aussi se mettre devant la télé complètement emmitouflé dedans. Ouais, j'aimerais bien me faire peut-être un petit projet comme ça. Donc voilà, très très contente de ce projet qui avance fort bien. Et il va être plutôt assez grand parce que là, ah oui, je vais vous montrer sur le petit le croquis. En gros, là, j'ai fait ça. Alors, ça y est, j'ai rattrapé ce que j'avais colorié et il va falloir que je... Alors, j'ai fait le petit triangle du bas, là, celui-ci, et bah, celui-ci, c'est celui qui est dans la colorie Arietti, et celui-là, c'est celui qui est en marron. Donc, vous voyez, là, ça correspond à ça par rapport à la taille de la couverture finale. Donc, ça va être quand même assez grand. Et ça, c'est plutôt cool pour chiller devant la télé. Ça va être parfait. Ensuite, ça, c'est un petit début de châle, mais pour l'instant, que j'essaye de designer, mais pour l'instant, j'aimerais bien faire un truc. Je ne vous le montre pas parce que, désolée, je fais ça super souvent, ça va être chiant. Mais j'ai essayé de faire avec des laines que j'avais à la maison, mais l'idée, ce serait vraiment de faire un design dans un dégradé qui vraiment se dégrade super bien. Donc ça, je le garde encore un peu secret. D'ailleurs, j'ai fini mon premier design et je pense qu'il sortira aux alentours du mois de mars. Et je ferai peut-être bientôt un appel au test. Voilà, je vous en reparlerai mieux d'ici là. Je pense que je vais essayer de faire deux tailles parce que là, je l'ai tricoté en sport avec 5 écheveaux. Donc c'est un châle qui est assez grand. Après, c'est ultra facile à tricoter, c'est beaucoup de points de mousse et il y a pas mal de changements de couleurs, etc. Donc c'est assez engageant mais simple. C'est zéro cerveau, mais en même temps, il y a suffisamment d'attrait pour avoir envie de le tricoter. Mais j'aimerais bien quand même faire une variante un peu plus petite et pourquoi pas en fingering. Genre fingering, trois écheveaux, trois couleurs. Pour que vous ayez le choix entre un très très grand, bien enveloppant, voilà, ou un plus petit pour le printemps, juste histoire de se réchauffer légèrement les épaules. Enfin, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il y a le... Je suis en train de tester le bonnet de... Ah oui, je vais vous montrer quand même, mais j'ai pas les laines là, je vais le chercher. Oui, donc si vous suivez les podcasts de Tricot et Stitch, et je suis sûre que vous le faites déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle aimerait bien. Elle avait sorti un col en brioche il y a 1 ou 2 ans. Je pense pas que c'était l'hiver dernier, mais l'hiver encore d'avant. Le brioche queen. Je vous mets une photo. Et là, elle aimerait bien créer un set avec un bonnet. Qui serait super cool parce que en fait pour faire ce col il faut 3 écheveaux. Donc désolé c'était Laurent, je voulais quand même avoir des petites nouvelles, il revient demain. Ouais, donc alors il faut 3 écheveaux parce que on fait la couleur principale. Alors elle le fait avec de la slub, vous savez c'est la laine qui est filée avec des petits cocons qui fait des petites boules là et un fil poilu. Normalement du mohair. Moi j'ai choisi de faire de la fingering et du suri. C'est son coloris du mois de janvier qui est trop trop joli. Et j'ai pris aussi son contrastant du mois de janvier. Donc c'est Cocooning et Home Sweet Home. Franchement cette couleur elle est incroyable. J'ai vraiment envie de me faire une grosse pièce dans ce coloris. C'est trop trop beau. Et ouais, et du coup, en fait, pour le col, il restait pas mal de restes de laine. Et en fait, pour proposer en plus un bonnet, ça permet avec les 3 écheveaux quand même de pouvoir se faire 2 pièces. Et le patron existe en taille enfant et en taille adulte. Donc, même si après votre taille, il vous reste encore un peu, vous pouvez encore faire un petit bonnet pour un mini de votre entourage. Et voilà où j'en suis du bonnet. J'ai fait que
Et je vais vous expliquer pourquoi c'est tout comme ça. J'ai fait que la bordure pour l'instant. En fait, j'avais tout tricoté et j'avais quasiment fini. En fait, j'avais fini la grille pour le bonnet, il faut refaire la grille une fois. Et en fait, je me suis rendu compte que quelques rangs plus tôt, j'avais fait une erreur dans ma brioche. Défaire la brioche, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et défaire de la brioche avec un fil poilu, genre de la cerise, c'est vraiment très compliqué. Donc j'ai tout redéfait. Et j'en ai profité du coup de remonter même ma bordure en point mousse pour faire un montage un peu plus élastique que celui que j'avais fait à l'origine. J'ai fait ça hier soir, mais faut que je revoie encore un peu avec Christelle. Peut-être qu'il faut un peu augmenter le nombre de mailles. J'ai peur que ce soit quand même un peu petit à partir de. Ça va pour une taille vraiment mini mini, genre Liv, ça lui va. Liv qui a 3 ans, mais à partir de Lior et Lou. Alors Lior, je crois qu'il a une tête un petit peu plus grosse que la moyenne. Mais voilà, Lou qui a 7 ans, ça lui va. C'est déjà trop petit pour lui, quoi. Donc j'attends son retour pour continuer ça. Voilà, mais la dent. Enfin. Pour ce set-là, pour faire de la brioche, c'est trop 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 canon. J'avais fait une photo vraiment pas très jolie avec Liv, la première version sur la tête, je vous la remettrai quand même pour vous montrer. Il n'y a pas de luminosité, etc. Mais vous voyez un peu le contraste entre les deux laines. Et vraiment, ça va trop bien. J'ai envie d'avancer sur ce projet, mais j'attends le retour de Christelle pour avancer. Voilà, c'est tout. Ah non, j'ai un autre en cours, mais que j'ai à peine commencé, c'est du crochet. Lou m'a demandé de faire cette petite beauté que j'ai imprimée depuis un moment et que je n'ai toujours pas fait. Et voilà, j'ai monté juste ça, j'ai fait le haut de la tête. Donc non, ça n'a pas avancé de plus. Et voilà ce que je vais utiliser. Il m'a demandé de substituer le bleu ici par du vert. Donc ça va avancer tranquillou, pépouze. Ce n'est pas ma priorité, on va dire. Voilà. Voilà pour mes encours de tricot. Dans ce que j'aimerais faire après. Au niveau des chaussettes, je veux remonter un modèle de Stonyx, le modèle avec les flocons. Je vous ai dit, je ne sais pas si je vous en ai parlé ou pas hier. Et pour ça, mon stage de laine à chaussettes. Franchement, j'aime trop ce panier. Alors, je me suis déjà débarrassée de. Enfin, débarrassée. Pour info, il y avait ça dedans. Donc, ça y est, ça sort. Je viens de penser que j'ai oublié de vous dire un truc. Et là, je vais utiliser pour les flocons. On avait dit ça. Je sors ça et ça. Pour les flocons. Ce qui fait que je gagne un petit peu de place dans mon panier qui était plein à craquer. Et j'ai retrouvé la laine rose que je ne trouvais plus quand je vous ai parlé de mon. Quand j'ai fait mon bilan ultime chaussette là. Elle est là, en fait. Ça va être un combo que je vais tricoter ensemble, ça, cet été. Donc, voilà. Donc, je sors ça pour monter ça ensemble pour faire les petits flocons de neige. Trop, 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 trop beau. Voilà. Et, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça, quand même, que j'utilise pour le bonnet, ça reste l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Donc, je vais faire le set entier pour Liv, bonnet plus col. Mais j'espère avoir quand même quelques restes. Je pense que j'aurai suffisamment pour me faire une paire de chaussettes, histoire de compléter ma collection almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et donc ça, ce sera à voir dans quelques temps. Et voilà. Et sinon, j'avais très envie de me monter un châle. Et je vous ai fait un petit sondage sur Instagram ce matin avec ce combo de laine que j'ai envie de mettre dans un châle. Donc on a de la single de Ushitita ou Ushkikitita, je ne sais pas comment on prononce.
Regardez-moi cette merveille que Christelle m'avait offert pour me remercier de l'avoir accompagnée à Porto en juin dernier. D'ailleurs, on y retourne encore. Enfin, on y retourne au mois de juin, ça va être trop cool. J'espère qu'elle sera là, cette teinture. D'ailleurs, je pense que je lui reprendrai de la laine. Et là, au Ch'ti Bazar, je voulais vraiment un contrastant. J'avais vraiment envie de faire de la brioche avec ça. Et je voulais un contrastant qui pète pas mal. Et j'ai trouvé au Ch'ti Bazar chez Tincture Haleine ce très très beau rose fluo qui s'appelle Licorne. Et franchement, l'appareil photo a du mal à le prendre tellement il est puissant. Et ça va être trop beau ça. J'ai déjà bobiné mon premier cake de Ushitita et celui-ci s'appelle Bouquet. Donc on a licorne et bouquet. Regardez comme c'est trop 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 beau. Franchement, c'est vraiment sublime. Cette teinturière, elle fait des trucs mais fabuleux. C'est ultra vibrant, plein de couleurs. J'aime beaucoup. Et par contre, elle n'avait que de la single sur son stand, ce qui est un peu dommage. Moi, j'ai un peu peur de me faire des vêtements single. J'ai peur qu'ils boulochent assez rapidement. Donc là, je le mets dans un châle. Mais j'aurais bien fait aussi Sauce Unit, elle a un modèle de pull en brioche que Lauriane avait fait l'année dernière, il me semble, au printemps dernier. Et j'aurais bien utilisé ce combo. Mais c'est pas grave, j'utiliserai ce combo là-bas, qui est à côté du petit lutin là pour le faire. Voilà. Et ah oui, et du coup, ça, j'hésitais à. J'ai une idée de design dans la tête avec de la brioche très simple. Ouais, donc j'avais une idée de design de châle. Alors, les châles, j'aime bien qu'il y ait un intérêt visuel, que ce soit coloré et qu'on change régulièrement de couleur, de section pour que ce soit fun à tricoter. Que voilà, on se dit, ah bah là, on est presque à la fin de cette section, mais on va passer à telle section et ça nous donne envie d'avancer. Donc j'avais envie de faire un châle triangulaire qui alterne des sections de points mousse, des sections de brioche, mais très simple pour quelqu'un qui débute en brioche puisse se lancer. Et commencer la brioche par ce modèle, donc de la brioche toute droite, très simple, mais bicolore quand même, pour que ce soit, parce que c'est trop beau la brioche bicolore et que ça n'a pas plus de difficulté que de la brioche d'une seule couleur. Peut-être un peu de nappe, mais des nappes un peu comme sur le gilet où on n'a pas besoin de retourner l'ouvrage, qui se font rapidement, pas des nappes chiantes où il faut retourner 15 000 fois son châle. Je trouve pas ça très agréable à faire. Et voilà, en gros. Et voilà, des répétitions comme ça. Donc soit je fais un châle où on démarre d'une pointe et on agrandit comme ça et ensuite on rétrécit. Et du coup, on n'a jamais énormément de mailles et on arrive à un endroit où on a plus de mailles, mais après on rétrécit. C'est quand même sympa aussi de finir un ouvrage en rétrécissant, en ayant de moins en moins de mailles. Je trouve ça agréable. Ou soit je fais un triangle simple, enfin un triangle simple, avec une arête centrale et on commence avec pas beaucoup de mailles et on finit ici. En fait, on commence là avec très peu de mailles, on augmente à chaque rang et on finit avec beaucoup de mailles comme ça. J'ai l'impression qu'on voit un peu plus souvent des triangles comme ça. C'est une construction simple aussi, mais c'est joli parce qu'il y a l'arête centrale et ça a un côté un peu plus géométrique parce que souvent les sections vont faire comme un chevron sur le châle, mais on finit avec énormément de mailles et quand on fait un châle en fingering, bah, y a quand même, quand on fait un châle assez grand, il y a quand même pas mal de mailles à la fin. Je sais pas trop encore, dites-moi si vous avez des préférences en commentaire. Mais tout ça pour dire que c'est pas ça que je vais monter avec ça. Parce que je me dis que quitte à faire un patron que je design moi-même, vu que j'ai envie de tester un petit peu pour moi de teindre de la laine pour le kiff,
Je me dis pourquoi pas ne pas tout faire de A à Z, un patron que je design, plus avec de la laine que j'aurais teinte moi-même, j'aurais vraiment choisi les couleurs et tout. Je pense que c'est un projet global plus intéressant. Et du coup ça, je vais piocher dans mon bundle Ravelry de 2023. Et je vais faire un châle de Lille au fil, qui est le châle Canute. Le montrer 2023. Alors ça s'ouvre, ça s'ouvre. Bon, moi j'arrive pas à me connecter au serveur, je vais vous le mettre. Et en fait, c'est un châle triangulaire et on alterne des sections de points mousse qui seront faites là-dedans. Du coup, c'est du point mousse, c'est tout simple, c'est zéro cerveau, mais on a l'attrait de la laine très variée et de voir ce que ça va donner sur le tissu. Et on a des sections de brioche pas tellement débutantes compatibles, je pense, parce que ça fait quand même, je pense qu'il y a quand même des augmentations, des diminutions pour faire ces petites formes de feuilles là, dans laquelle j'intégrerai du coup ça en couleur de fond. Et je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. Donc voilà, en fait, c'est vraiment le projet que quand j'ai acheté ça. Au Ch'ti Bazar, j'ai acheté à Lille au fil le patron. Elle était juste à côté de nous. Elle avait son étal juste à côté de celui de Christelle. Et je me suis dit, ah, ça ira trop bien pour faire de la brioche. Voilà. Donc je reviens à mon idée de départ. Voilà. Ok, je pense que au niveau du tricot, je vous ai à peu près tout dit. J'ai teint de la fibre en début de semaine. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai teint ça. Alors, je l'ai pas mis en tresse. Je vais essayer de faire une tresse. Et j'ai fait une tresse qui n'est pas très jolie. Mais bon, vous voyez à peu près les couleurs. Alors, je suis plutôt contente des couleurs. Par contre, elle a légèrement. La laine a légèrement feutré, je pense. Donc, c'est tout à fait filable. Hein. Ça s'étire super. Ouais, remarque. Franchement, quand ce sera étiré. Bon, dans l'idéal, j'aimerais bien quand même. Je sais pas. Faut que je me renseigne mieux, voir comment il faut cuire la teinture, entre guillemets. Bon, ça reste super vaporeux, hein, mais je trouve qu'elle a un tout petit peu feutré. Mais voilà. Alors, je voulais faire du violet. Comme ça vraiment et en fait vu que j'ai rajouté des speckles enfin des speckles vu que j'ai rajouté du rose du jaune fluo etc ça a plutôt fait un genre de c'est plus dans les tons marron orangé rose que violet mais je suis quand même trop trop contente du résultat et je pense que je vais le filer je pense que je vais la filer cette tresse donc voilà. Les petits tests de teinture. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Au niveau de la couture, je n'ai pas du tout avancé. Ouais, j'ai une baisse de. Ouais, je suis vraiment dans un creux de couture depuis quelques temps. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Je pense avec le printemps, ça va revenir. En plus, je suis en train de faire une robe que vraiment j'aime et que j'ai envie de porter, mais je sais pas, j'ai pas spécialement envie de coudre. Ça arrive. Et sinon, j'avais commencé le petit point de croix là que je vous ai montré la dernière fois et j'ai pas avancé de folie. Hein. Vous savez ce qui était dans ce très chouette petit livre et j'ai un petit peu avancé. Oh, j'ai tout fait tomber. J'ai fait tomber l'aiguille, j'ai tout fait tomber. Alors, je vous montre le modèle. C'était le petit salon un peu crépi sorcière. Mais quand même cosy avec les chats, la petite pelote de laine. Et dehors, il fait tout moche et on est tout cosy à l'intérieur. Et voilà où j'en suis. Donc là, je commence la petite.
étagères. J'ai commencé un petit peu le tapis, mais le tapis c'est quand même un gros morceau. Donc j'alterne un peu le tapis et un petit peu l'étagère où c'est des plus petites pièces et du coup ça va un peu plus vite. Donc, voilà. Eh bien, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Donc voilà, ce week-end, petit bazar. Et ce week-end, petit bazar, non, ce week-end exceptionnel. Je vais essayer de pas trop faire de folie, mais je vous dis à ça la semaine prochaine. Et ensuite, j'allais dire, je vous fais un vlog la semaine prochaine. Mais je pense que la semaine prochaine, je vous ferai la vidéo sur les châles. Et peut-être la semaine d'après, je vous ferai un vlog. Voilà. Dites-moi si vous préférez les épisodes de podcast comme ça, où je vous montre tout d'un coup, ou si vous préférez voir au fil de la semaine les avancées comme un petit vlog. Voilà. Moi, j'aime bien faire les deux, d'un peu changer. Dites-moi ce que vous préférez. Ben voilà. On s'arrête là, j'avais l'impression d'avoir autre chose à vous dire, mais peut-être pas. Bah, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vos proches. Et je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ah oui, et quand même, si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce ou abonne-toi, ça fait toujours plaisir.